Allô Hervé ? Hey Nico, je reviens de mon footing. Tu devineras jamais qui j'ai croisé. Non, mais vas-y, dis. Marcel Uderzo, tu connais ? Bah ouais, quand même. Ouais, j'ai réussi à avoir une interview avec lui, c'est super ! Bah là, tu vois, je viens de rentrer du salon du livre de Provins et je suis un peu fatigué. Allez, viens, bouge, on y va, là, on est parti. Bon, ok, j'arrive. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là? Hey Jérôme, tu viens ou pas? J'arrive. Allez. Oh ouais. Merci. Bonjour et bienvenue dans BDETV. Aujourd'hui, bonjour Nicolas. Bonjour Marcel. Merci de nous accueillir sur votre domaine. Je vais vous présenter brièvement. Oui. Vous êtes né en 1933. Vous êtes le frère cadet d'Albert Uderzo. Vous avez la même passion que lui pour le dessin. Mais vous suivez la voie paternelle en devenant luthier pendant une vingtaine d'années. Et donc, au moment où votre père prend sa retraite, vous décidez de plonger dans cette passion et de rejoindre votre frère sur les séries Tanguy et la Verdure et Astérix. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Bien, disons, ça m'a apporté surtout la joie de pouvoir dessiner quotidiennement. Parce que, en faisant de la lutherie, c'est un métier très agréable, remarquez. Hein. On fait de la marqueterie, c'est un métier très, très louable. Mais bon, j'avais cette passion du dessin que, à mes moments de loisir, je continuais à dessiner d'ailleurs, hein, malgré le travail important, parce que mon papa me faisait travailler 10 heures par jour, le samedi et le dimanche matin. J'avais mon dimanche après-midi. Donc, j'avais pas tellement de temps de loisir. Mais le peu que j'avais, je dessinais et j'en ai profité, peut-être lâchement, je ne sais pas, mais j'ai profité de cette aubaine que mon papa a voulu prendre sa retraite. Et là, j'ai demandé à mon frère Albert s'il y avait moyen de rentrer dans cette profession de dessinateur de bande dessinée. Quoi. Et au bout d'un certain temps, il a accepté, avec l'avis aussi favorable de Goscinny et de Dargo, qui ont vu bien sûr une opportunité à faire plus d'albums que mon frère pouvait faire. Quoi. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Hein. On a produit 2 albums par an au lieu d'un. Donc, je ne vous dis pas la rentabilité. Quoi, hein. Parce que, voilà. Donc, alors, bien sûr, je faisais pas de la BD classique, hein, comme on l'entend, c'est-à-dire dessin, ancrage. Je faisais que de l'ancrage, de la mise en couleur et les droits dérivés. Alors, les droits dérivés, je les dessinais, par contre. C'est pas mon frère qui les faisait. Donc, ça me permettait quand même de m'échapper un petit peu de l'ancrage traditionnel. Voilà. Et de temps en temps, je dessinais pour moi aussi, enfin bon. Voilà, mais ça m'a mis le pied à l'étrier quand même, hein, dans le métier. Donc, début des années 80, vous vous émancipez de votre frère et commencez une carrière solo. Tout à fait. Alors, ça n'a pas été évident, bien sûr, parce que j'étais pas en contact. J'ai jamais pu faire de scénario, je ne sais pas pourquoi. Je me sens à l'aise au dessin, mais scénariste, alors il fallait trouver des scénaristes, bien sûr. Bon, ça a été assez difficile. Alors bon, j'ai fait quelques travaux publicitaires, des choses comme ça.
Et un jour, j'ai rencontré un scénariste qui se prénomme Moloch, enfin, donc un pseudo, c'est un pseudo pour lui. Et on a eu l'idée de faire un petit personnage, un petit Normand, qui, c'est moi qui ai eu l'idée de ça, de, qui partait vivre des aventures au Canada au XVIIIe siècle. Lui, il a trouvé le nom, par contre. Mathias, c'est lui qui l'avait trouvé. Et là-dessus, donc, il m'a fait un scénario qui me plaisait bien. Et on a connu un type qui n'était pas du tout dans la BD, mais je ne sais plus où je l'avais. Je crois que je l'ai rencontré chez Dargaud, d'ailleurs. C'était un commercial, je crois. Et c'est lui qui m'a dit « Oh, je connais un éditeur qui serait intéressé, il s'appelle De La Chouinier, il serait très intéressé pour... » Alors, ils ne font pas de BD pour le moment. Hein, c'est un éditeur de bouquins didactiques hein, sur les plantes, les animaux, des choses comme ça, mais ils ne font pas de BD, donc, mais ils veulent s'essayer. Alors, on s'est rencontrés à Paris, et bon, voilà, ça a démarré comme ça, il nous a fait un contrat, et voilà, les aventures du petit Mathias ont commencé, là, sur 3 épisodes, malheureusement. Le scénariste a trouvé un autre débouché dans le dessin animé où il était beaucoup mieux payé, donc il a arrêté. Ça a continué pendant des années pour lui. Moi, il a fallu que je trouve d'autres boulots, hein, des one-shots, sauf 3 bouquins sur des adaptations de Jules Verne. Je fais toujours des trois bouquins, moi. Je fais pas au-delà. C'est très bizarre. Enfin, j'ai pas arrêté de travailler quand même. Hein, Ça n'a pas arrêté. J'ai fait des diverses choses. Enfin voilà, c'est une carrière un peu particulière quand même. D'ailleurs, vous avez de nombreux projets, dont Mathias, des bruits courts comme quoi une suite serait possible. Tout à fait. L'éditeur de l'histoire de l'aviation serait intéressé pour continuer les épisodes de Mathias. Il reprendrait les 3 premiers tomes et ainsi de suite. Et moi, ça m'intéresse parce que j'adore ce personnage. Et puis, c'est un style que je ressens bien, le style semi-humoristique. C'est pas vraiment humoristique, mais c'est semi-humoristique. J'aime bien. Ça permet de la fantaisie parce qu'actuellement, je fais surtout des albums historiques. Il y a un côté un petit peu l'historique, il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut travailler d'après des photos, des choses comme ça. Donc là, je suis en train de terminer. Je vais commencer par vous dire que je suis en train de terminer un album sur le commando Kiefer, le commando français qui a débarqué à Ouistreham en juin 1944. Je suis en train de le terminer. À la suite de ça, j'avais commencé un album l'année dernière aussi sur l'affaire du siècle, l'affaire Spaggiari. J'ai fait 15 pages, donc il faut que je les termine. Je termine cet album le plus rapidement possible aussi. Et bien, ensuite, il y a un projet que j'avais commencé il y a quelques années avec Francis Bergès, en tant que scénariste, sur l'histoire de Lindbergh, hein, l'aviateur américain qui a traversé l'Atlantique. Donc j'avais fait 15 pages. Ça, c'était pour l'éditeur Claude Lefranc. Et il n'y a pas eu de suite parce que Claude Lefranc a arrêté ses activités, donc c'est resté en plan. Et mon éditeur actuel, Franck Coste, l'éditeur d'ID+, a eu envie de le refaire, de le continuer, je veux dire. Donc il faudrait que je le termine pour la fin de l'année, cet album. Et par la suite viendront d'autres épisodes sur l'histoire de l'aéronautique et j'espère Mathias aussi. Donc vous voyez, je ne serai pas au chômage la vie chargée. Ces prochaines années, malgré mon grand âge. Mais bon, j'ai la forme, donc ça va, quoi. Au vu de votre belle carrière, quels sont vos meilleurs souvenirs en bande dessinée? Alors, au début des années 80, j'ai fait 3 épisodes avec un petit personnage qui s'appelle Mathias. Bon, à la suite de ça, j'ai fait d'autres albums. J'ai fait 3 albums sur des adaptations de Jules Verne. J'ai eu du plaisir à les faire. C'était assez plaisant à faire. Un seul album, hélas, sur les aventures
de Marie l'Aventure. Il y a eu un seul épisode de fait parce que Dargaud, qui avait édité cet album, a été racheté par une société qui a revendu tout ce qui était un petit peu érotique. Tout ce qui était un peu érotique. J'avais même entendu dire que le grand dessinateur italien, là, Hugo Pratt, même les albums d'Hugo Pratt ont été enlevés de la collection. C'était une société qui ne souhaitait pas de bande dessinée érotique. L'aventure s'est arrêtée à un seul album. Bon, puis il y a eu d'autres petites choses aussi, mais je peux pas dire que... C'est très bizarre, j'ai fait une carrière sans grande série, si vous voulez. Et c'est très dommage, parce que dans notre métier, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, en fait. Quand il y a une série qui marche bien sûr. Et là, on peut donc gagner un peu notre vie, mais si faire du one-shot comme ça, c'est pas évident, quoi. C'est un métier qui est devenu assez difficile. Comment percevez-vous l'évolution du 9e art ? C'est un métier artisanal, hein. On vit chacun dans notre bulle. Alors c'est très difficile au moment des dédicaces qu'on rencontre le public et on s'aperçoit quand même d'une certaine évolution. Mais à côté de ça, c'est difficile parce qu'il y a, énormément de jeunes dessinateurs qui viennent faire ce métier par passion, bien sûr. Beaucoup d'étrangers d'ailleurs, hein, en plus. Donc, il y a des tas de gens que je connais pas du tout. C'est effrayant. Ma femme, c'est elle qui me communique certains noms. J'ai ah bon, voilà. Il y a quelques dessinateurs comme ça que je rencontre dans les dédicaces, j'aime ce qu'ils font. Et d'ailleurs, une petite anecdote, un jour, j'étais à Caen pour une dédicace, et il y avait un jeune dessinateur, là, j'aimais beaucoup ce qu'il fait, qui s'appelle Lepage, Emmanuel Lepage. Voilà. Et bon, j'aime beaucoup son style, il fait des couleurs directes, et il y a une espèce de poésie dans son dessin. Et on lui a acheté un album, il me l'a dédicacé, et il m'a raconté une anecdote amusante. Il m'a dit, quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont acheté un album de Mathias et ça m'a donné le goût du dessin et de faire de la bande dessinée. Alors ça, j'ai été stupéfait, quoi. Ça ne m'a pas tellement rajeuni, remarquez, parce que ce dessinateur, il avait une trentaine d'années à l'époque. Mais ça fait plaisir, quoi. Donc on s'aperçoit que des fois, dans notre métier, on arrive à donner de la joie aux enfants ou aux gens, quoi. Et c'est un plaisir, ça. Donc l'évolution, je l'aperçois par le nombre, si vous voulez, le nombre de dessinateurs qui augmente, si je puis dire, d'année en année. Il y a des maisons d'édition qui se créent aussi, par contre. Il y a quelques petites maisons d'édition qui se créent, il y en a plus qu'avant aussi. Donc ils arrivent, bon an, mal an, à faire travailler des dessinateurs quand même. Mais je m'aperçois par exemple qu'en France, c'est un marché florissant. La Belgique et la France, c'est les deux pays en Europe où la bande dessinée marche très bien. Et c'est très décevant parce qu'en Italie, en Espagne et en Allemagne, il n'y a pas d'évolution comme spectaculaire comme en France ou en Belgique. Voilà, donc mon témoignage s'arrête un peu là, quoi. C'est un peu sobre. C'est un métier artisanal, donc on reste un petit peu en retrait d'abord parce qu'il faut fournir un travail, donc les éditeurs sont toujours un petit peu accros parce que les dessinateurs sont toujours un petit peu en retard, hein, je crois, hein, à part quelques-uns qui travaillent dans les temps, mais jusqu'à maintenant j'ai été un petit peu dans les délais là. Actuellement, je suis un petit peu en retard parce que c'est un album sur le débarquement en Normandie. C'est des planches très très longues à faire. Il m'arrive de mettre 2 jours et demi pour crayonner une planche. 2 jours et demi.
et une journée et demie pour l'ancrage. Alors je ne sais pas si vous voyez. C'est la première fois que je fais un album aussi long d'ailleurs, par la complexité des dessins à faire. Avec le Commando Kiefer, donc votre prochain album édité aux éditions du Triomphe, qui sort prochainement. Donc vous confirmez votre attrait pour les BD historiques ? Oui, bien sûr, c'est loin d'être déplaisant à faire. Mais bon, c'est vrai que la fantaisie dans ce métier-là est plus agréable quand même à faire, parce que l'historique demande des exigences, bien sûr. Par exemple, les avions, il faut faire des avions de l'époque, ou il y a plein de choses comme ça qui fait que c'est un peu astreignant, si vous voulez. Mais bon, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites des erreurs dans l'historique, vous avez des gens qui sont là pour vous le faire remarquer s'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Alors, d'abord, je ne fais pas le scénario, c'est quand même un spécialiste de l'histoire qui fait le scénario, qui me donne tout un résumé et tout, et moi je fais mes dessins d'après ça. Et on me fournit beaucoup de photos, de toute façon. Et moi-même, j'ai pas mal de livres là-dessus, sur la guerre de 40. Donc ça m'aide beaucoup. C'est moins poétique que la BD, disons, humoristique, où on se relâche moins, disons. Il y a moins de fantaisie. Vous aimez aussi bien faire l'un que l'autre, en fait. Ah oui, ça ne me dérange pas. De faire l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas du tout. Là-dessus, c'est la formation que j'ai eue avec Albert, mon frère. Voilà. Ça m'a permis de passer d'un style à l'autre. Donc Marcel, je vous ai demandé de nous présenter un titre sorti en librairie que vous conseilleriez à nos lecteurs. Donc voilà, c'est Frenchman. Frenchman, voilà. De Patrick Prugne. J'adore son talent, son travail, c'est superbe. En plus, l'époque qu'il décrit me plaît bien aussi, parce que j'avais dans l'idée de faire une histoire un peu qui se passerait donc à cette époque-là dans les colonies américaines du XVIIIe siècle. Voilà, donc j'étais agréablement surpris par ce travail. Et il a fait un premier album qui s'appelle Canoë Bay, voilà. Et voilà, donc je lui souhaite longue vie, parce que je trouve que c'est un monsieur qui a beaucoup de talent, et je lui souhaite de bien travailler, de continuer des épisodes de ce genre. Un autre dessinateur aussi qui travaille un petit peu dans le même esprit, c'est Lepage, dans une autre période, c'est plus contemporain, mais il a une façon de travailler un petit peu analogue, c'est-à-dire de faire des couleurs directes comme ça, et je trouve ça très séduisant, quoi. C'est magnifique. Voilà. Ouais, je conseille aux jeunes lecteurs de regarder ce beau travail. Merci Marcel. Je t'en prie. Alors Marcel, le défi que nous voulons vous lancer donc est le suivant. Nous dessiner Mathias, votre personnage de Mathias, jouant un instrument de musique. D'accord, on va essayer. Parce que c'est un personnage que j'ai pu dessiner depuis des années, donc je vais essayer de fouiller dans ma mémoire. Non, mais c'est un petit peu comme le vélo, vous savez, le dessin, on n'oublie pas complètement. Ça vous permettra de vous entraîner un petit peu pour le quatrième tome. Voilà. Alors, je vais peut-être le faire avec une guitare, non ? Ah oui, c'est très bien. Il a de la chance, Mathias. Il vieillit pas, lui. Il reste toujours pareil. Par
contre, il connaît des instruments de musique beaucoup plus contemporains que son époque. Oui, c'est vrai, oui, en plus. J'espère qu'il va pouvoir nous faire quelques accords. Le paradoxe, c'est que j'ai fabriqué des guitares et je ne sais pas en jouer. Vous vous rendez compte ? Quelquefois, les cordes étaient nouées carrément au chevalet. Quelquefois, non. Ça dépendait des modèles. Alors ici, ça s'appelait des mécaniques. Ils servaient à serrer les cordes. Voilà. Voilà, petit père Mathias. Il a une seconde nuit. On peut le tourner là, comme ça. Vous voulez, vous voulez que je vous le dédicace? Ah oui, il faut le signer pour BD. Voilà. Merci beaucoup. Le défi est relevé. Le défi est relevé. Silence sur le plateau, moteur et action. Hey Nico là, je reviens de mon footing, tu sais qui j'ai croisé? Excuse-moi, je t'attends ta réponse, on recommence. Sur le plateau, moteur et action. Hey Nico, je reviens de mon footing là, tu devineras jamais qui j'ai croisé. Albert Uderzo, tu connais? Non, c'est pas moi. Bon. C'est quoi, j'y pensais tout à l'heure. Mon Dieu, comment il s'appelle là? Manard. Comment? Manard. Non. Tes souhaits. Non, non, il est décédé maintenant. Il y a un... C'est moi qui éternue. Excuse-moi, ça sera coupé, j'espère.